Bonjour, bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Petite vidéo un petit peu spéciale, et ouais, j'avais préparé des choses mais la météo n'a pas été avec moi, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Grosso modo, voilà, j'ai deux choses vraiment qui me tiennent à cœur, j'ai envie de vous parler de ça, ça fait un moment. En premier lieu, le Mr. Croc, voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé le montage, ce que j'ai mis dedans, etc. Donc je voulais aujourd'hui faire voler le Mr. Croc et vous en parler un petit peu, mais malheureusement la météo n'a pas été avec moi, donc je ne peux pas aller voler, donc c'était pas la peine que je vous fasse juste une présentation du matériel. Donc bientôt on verra ensemble le Mr. Croc. Je voulais également vous parler du B-Bumper de ce cher Laurent Athénol, chez qui j'ai commandé la frame du B-Bumper qui est magnifique. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien avec cette petite caméra, mais il est superbe, le montage est vraiment terrible. À l'intérieur, pour l'instant, j'ai simplement mis le montage du Megabi. Voilà, je pense que je changerai les moteurs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant. Mais on parlera bientôt du B-Bumper ensemble. On se fera des petites sessions vidéo, des petites cinématiques qui feront bien, qui s'incrusteront bien dans les vidéos, je pense. Sinon, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu spécial. Alors déjà, je vais vous parler des prévisions de ce qui va arriver, de ce qu'on va voir ensemble. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Très très bientôt, on va voir ensemble quelque chose que beaucoup attendent, je pense. On va parler du Tiro 89, le dernier petit Tiro. Donc il est expédié, il est en route, je l'attends. Donc on en parlera très très bientôt. Pour ceux qui voulaient voir de la voiture, on va très bientôt voir ensemble la WLTOY 14-4001, une petite 1/14e qui présage que du bon. Je sais que certains l'ont déjà commandé, sur mes conseils ou pas, et en sont super contents, parce que pour moi c'est la petite remplaçante de la A952. Qui marchait vraiment bien. Donc là, en 1/14e, avec un meilleur montage, j'ai l'impression, quelque chose de propre. Donc voilà, on testera ça ensemble. Pour ceux qui voulaient de la voiture, il y en aura. Et il va y en avoir encore, parce que j'attends également la copie de la voiture IMAX qu'on a vu ensemble, l'Interceptor, il n'y a pas très longtemps, avec le Easy Pilot. Donc là, je vous en avais parlé, c'est la copie Ishin IMAX, c'est une jonction des deux qui ont fait aussi ce petit pack qui est un peu moins cher. Donc là, moi, j'ai commandé juste la voiture et la radiocommande, puisqu'en masque, j'ai ce qu'il faut. Et comme ça, non seulement je pourrais me tirer la bourre avec un pote dans la maison, mais ça nous permettra de faire un comparatif pour voir si Ishin étant un petit peu moins cher, si ça vaut quand même le coup, si c'est exactement le même montage, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc voilà, en ce qui concerne les prévisions jusqu'à Noël, j'espère qu'on aura le temps de faire tout ça jusqu'à Noël. Je vais vous parler également d'un concours, ça je vous en parle en fin de vidéo. Et aujourd'hui, surtout, je vais vous parler de quelque chose d'un peu spécial, parce que je vous en parle rarement. Mais pour ceux qui veulent aider ma chaîne, voilà, je vais être franc et honnête, vous savez que une chaîne, c'est pas forcément facile à tenir, ça demande du temps, et Dieu sait que je passe du temps, que ce soit pour faire mes vidéos, pour tester les engins ou pour vous aider et répondre à toutes vos questions. Je mets un point d'honneur à essayer de répondre à tout le monde généralement, même si j'ai pas la science infuse, je fais ce que je peux. Donc ceux qui veulent aider ma chaîne, donc là cette partie là va vraiment être pour ceux qui veulent m'aider. Ceux qui veulent pas, ceux qui veulent pas aider ma chaîne, vous pouvez aller voir une autre vidéo parce que là ça va pas vous intéresser. Mais à la limite, ça peut intéresser pour les gens qui veulent sponsoriser d'autres chaînes. Il y a deux, trois petites choses à savoir qui sont importantes. Alors première chose, c'est que dans mes vidéos maintenant, vous allez pouvoir trouver, hop, dans la description, on va y aller ensemble. Ici, quand on fait plus, alors quand c'est sur smartphone, c'est tout en bas après les commentaires. Ici, vous savez que j'avais fait une page de promos et coupons. Donc là, on va le retrouver ici, toutes les promos et coupons Banggood. Et maintenant, si on clique sur ce lien, donc on ne se retrouve plus sur la page de promos et coupons, on se retrouve sur un nouveau tableau que j'ai mis en œuvre il n'y a pas longtemps, qui pour moi est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à décrypter, entre guillemets. Et donc ce tableau va vous permettre d'avoir non seulement les dernières promos et coupons, alors j'ai essayé de vous classer ça par thème et par catégorie, vous avez ici les coupons principaux, les coupons permanents, que ce soit Part 8, Véhicule 7 ou Drone 6, et ça c'est les deux coupons qu'on retrouve généralement si vous avez un produit qui n'est pas en promo, qui n'a pas de coupon particulier, vous pouvez utiliser ces deux coupons là, toujours. Il y aura toujours un encart activité ponctuelle, donc là c'était le Cyber Monday, donc là je mettrai les activités ponctuelles de Banggood, et sinon ensuite vous avez la catégorie jeux loisirs RC. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, je les mets au fur et à mesure, mais
vais en mettre d'autres bien sûr. Et là vous avez la catégorie accessoires, donc là ce sera surtout les engins en première partie, et ici vous avez la catégorie accessoires. Et il y a une nouveauté, j'ai ajouté également un peu plus bas les indispensables ici, avec un petit encart bricolage et montage. Donc ça c'est parce qu'on n'arrête pas de me demander régulièrement, tiens les gaines thermo tu prends quoi, les tubes d'antenne tu prends quoi, etc. Donc j'ai fait ça pour avoir une sorte de pense-bête entre guillemets, même pour moi quand je veux recommander des choses, ça m'évite d'aller dans mes commandes antérieures pour retrouver le produit que j'avais commandé. Là j'ai mis des choses basiques et utiles, que ce soit pour le bricolage et montage. Donc là vous avez des anti-vibrations pour la carte de vol, les espaceurs, vous avez des vis M3, M2, vous avez de l'antidérapant pour l'hypo, vous avez un petit peu de tout. Vous avez l'équipement atelier, donc set de tournevis, c'est le set que moi j'ai, hein. Généralement je vais pas au plus cher mais je prends de la qualité correcte. Donc pince coupante, collier de serrage, riselant, etc. Tout ne va pas forcément chez Banggood. Par exemple ici le Plastidip, si on clique sur le lien du Plastidip ici, on va se retrouver sur Amazon. Donc ce ne sera pas que du Banggood, ce sera vraiment les choses que j'utilise moi. Pareil, du côté à droite ici, vous avez mon matériel, donc que je recommande bien sûr. Donc vous avez ma radiocommande, mes lunettes, etc. Et vous avez aussi la piste de décollage que j'utilise, le sac à lipo. Et pareil, la piste de décollage, on va se retrouver sur Amazon. C'est la grosse piste ronde, ah ça bug, que j'utilise pour les drones de prise de vue. Donc vous l'aurez compris, et dans d'autres catégories, vous avez pour la soudure, pour l'électronique, je rajouterai bien sûr au fur et à mesure. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Des accessoires caméra et les premiers soins, super important, la trousse de premiers soins à avoir toujours sur le terrain. J'ai été content de la trouver de temps en temps, ça peut servir. Bref, vous avez donc, si vous voulez vraiment aider la chaîne, pensez à venir faire un tour sur ce petit tableau. Et une petite chose qui est importante, c'est que bien souvent, on m'envoie un petit message en me disant « C'est bon, Montazou, j'ai commandé, j'ai utilisé ton coupon. » Et on m'envoie le numéro de la commande. « Tiens, si tu peux vérifier tout ça. » Je vais vérifier et la commande, ben, je ne l'ai pas dans mes retours de commande. Pourquoi ? Parce que le coupon, tous les coupons que vous voyez ici, n'ont rien à voir avec ma chaîne. Ça veut dire que si vous allez sur Banggood, par exemple, vous êtes sur Banggood, vous avez cliqué, tapé Banggood dans Google, vous êtes sur Banggood et vous allez trouver un produit qui vous plaît, et ben vous allez hop, le mettre au panier, précommander. Et après, vous allez venir sur Messenger me demander si par hasard j'ai un code pour cette chose que vous voulez commander. Moi, je vais vous donner un code et souvent, je vous donne un lien affilié à moi parce que c'est vraiment les liens qui servent à aider ma chaîne et pas les codes. Les coupons que je vous donne ne sont en rien affiliés à ma chaîne. C'est simplement pour avoir une petite remise. Donc, si vous avez déjà mis le produit dans votre panier et que moi, je vous donne un lien et que vous cliquez dessus, ça va vous remettre sur la page de Banggood, bien sûr, mais comme vous avez déjà le produit dans votre panier, eh bien ça ne fonctionnera pas, voilà, parce qu'il est déjà enregistré. Donc pensez surtout à soit supprimer le produit qui est dans votre panier, et ensuite quand vous voulez commander, si vous voulez vraiment aider ma chaîne, il va vous falloir cliquer sur un de mes liens qui sont là. Donc bien sûr, vous avez noté le coupon qui va avec ici. Et une fois que vous avez cliqué sur mon lien, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous ajoutiez au panier. Et c'est seulement ça qui permet d'aider ma chaîne. Voilà, c'est dans ce lien où il y a un marqueur qu'on peut retrouver ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Non, on ne le voit pas parce qu'il y a le truc Tazou. Attendez, je vais baisser un peu. Hop, ici. Vous voyez, il y a un marqueur qui est là. Ça, c'est le marqueur à Tazou. Voilà. Et c'est que vraiment dans le lien qu'il y a le marqueur qui dit que vous venez de ma part. Donc voilà, pensez-y tout simplement pour faire simple. Si vous voulez aider ma chaîne, encore une fois, c'est pas obligatoire, ou si vous voulez aider n'importe quelle chaîne, il ne faut pas que l'appareil, le produit, soit déjà dans votre panier quand vous rajoutez le coupon. Je vous ai dit, le coupon, c'est juste pour avoir une remise. Ça n'a vraiment rien à voir avec la chaîne en elle-même que vous voulez aider. Donc voilà, ceci étant dit, j'espère que vous vous servirez de ce petit tableau. Je me donne du mal pour le tenir à jour. Et puis voilà, si vous avez besoin de petites choses et d'autres
pour votre atelier ou pour du bricolage, ben n'hésitez pas à venir faire un tour. Et je vous dis, j'en rajouterai au fur et à mesure qui me semble utile. Quand on me demandera un lien intéressant, je le rajouterai ici automatiquement. Donc voilà, tout ça, ben simplement pour ceux qui veulent aider ma chaîne, parce qu'on me demande souvent comment je peux t'aider. J'insiste pas, moi, sur les dons. Voilà, je préfère qu'on utilise mes liens qui vont me sponsoriser et en plus qui montrent à mon partenaire qu'il y a du clic. Donc ça, c'est important. Je préfère qu'on utilise mes liens. Vous savez que je touche, moi, une petite commission sur votre achat, alors que vous, ça vous coûte pas plus cher. Donc c'est comme ça que moi, je vais faire avancer la chaîne et pouvoir investir. C'est comme ça que je peux commander d'autres produits parce qu'on ne m'envoie pas tout, encore une fois. Donc voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc n'hésitez pas à mettre le lien du tableau, je le remettrai dans la description de la vidéo bien sûr. N'hésitez pas à garder ce tableau dans vos favoris, dans vos raccourcis. Et si vous voulez faire un achat sur Banggood, bah, si vous voulez m'aider, bah, vous ouvrez ce tableau et vous cliquez sur un des liens qui mène sur Banggood. Et là, vous aiderez automatiquement ma chaîne. Une fois que vous êtes sur Banggood avec un de mes liens, vous y êtes allé avec un de mes liens, tant que vous ne ressortez pas du site Banggood, tout ce que vous allez ajouter au panier, un tournevis, une vis, etc., ça fonctionnera également pour l'affiliation tant que vous ne ressortez pas du site. Donc vous n'avez pas besoin de 3 liens pour commander 3 produits. Un seul suffit pour aller sur le site Banggood en venant de ma part tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça, mais c'est vrai que c'est important pour moi quand même parce que c'est pas évident de faire vivre la chaîne et de la faire avancer tout seul. Voilà, je pédale, mais j'avance pas trop vite. Bref, en tout cas, je kiffe et vous me le rendez bien. Donc ceci étant dit, on ferme la parenthèse, on ferme aussi le tableau. Pour la fin de l'année, je vous réserve un petit concours de Noël quand même, bien sûr. J'ai en tête un petit cadeau d'une valeur d'à peu près 200 € qui devrait plaire à tout le monde. Donc je vais attendre un petit peu pour le concours parce que là, ça fait 2 ou 3 d'affilée en pas longtemps. Donc d'ici, je pense, d'ici la mi-décembre, je ferai ce petit concours pour que vous ayez votre cadeau à Noël sous le sapin la semaine d'après, tout simplement. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi. Merci encore à vous de me soutenir. Bien sûr, c'est grâce à vous si je suis encore là, si je suis encore en vie. Et puis, bah, c'est tout. Sur ce, j'espère que la météo va s'arranger. Et moi, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao !